mais c'était pas vrai, mais il va être en retard à chaque fois. Il arrive. Eh oui. Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Chut. Quoi, chut? Il y a quelqu'un qui dort. C'est la vidéo d'ASMR aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi tu chuchotes. Hein. Mais parle moins fort, enfin. Tu vas faire mal aux oreilles aux gens. Ah, j'ai compris. Quelqu'un qui dort. Merde, là. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le coup d'ASMR. C'est d'abord une vidéo d'ASMR, mais surtout un coup de cœur. Et aujourd'hui, on va vous faire un petit florilège des choses qui nous énervent beaucoup. Tu veux dire qu'on peut dire n'importe quoi qui nous énerve? N'importe quoi, j'adore. Par contre, en ASMR, donc je suis obligé de chuchoter. Oui, pour vous aider à vous endormir, les petits coquins. J'ai un gros coup de gueule, c'est contre les boomers. C'est les vieux qui sont nés entre 45 et 65 qui font des leçons à tout le monde. Eh vas-y, traverse pas quand le petit bonhomme il est rouge. Mange 5 fruits et légumes par jour. Et les écolos, ils nous emmerdent, on peut plus faire cramer du pneu le week-end. Les bobos, franchement, c'est tous des cons. Ils mangent des graines avec plein de choses dedans. Qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est eux qui ont détruit la planète. Merci, hein. Est-ce que t'as des exemples de boomers qui nous emmerdent? Toute l'équipe de Pascal Pro. Boomer dans le Larousse, il y a une grosse photo de Pascal Pro. J'aime bien téléfoot. Moi, comme coup de gueule, j'ai la crise du Covid-19, la fermeture, les bars, les restos, les ciné, les théâtres. On n'en peut plus. Le masque. Imagine la ASMR avec un masque. Moi, 2 fois sur 3, quand je sors, j'oublie encore de le mettre. Ce qui me saoule le plus là-dedans, c'est que les salles de sport, elles soient fermées. Moi, je m'en fous. Ah bon? J'aime pas le sport. J'ai pris 2 kilos. Je me sens mal dans mon corps. C'est un œdème? Je sais pas, mais je crois qu'il faut que j'aille faire caca. Je peux vraiment tout dire ce qui m'énerve. Ouais, parce que là, je vais être très énervé. Ouais, c'est le moment, putain. Moi, franchement, ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui ne savent pas faire cuire les pâtes. Les pâtes? Mais oui, les pâtes. C'est marqué sur la poêle. Tu sais compter jusqu'à 3. Tu sais faire cuire les pâtes. Tu fais bouillir l'eau. Oui. Tu mets les pâtes dans l'eau. Oui. Et à partir de là, tu comptes le temps qui a marqué sur la boîte. Exactement. Ok. Lâche le sourire. Intérieurement, je boue. Mais ça marche avec d'autres produits, ça. Par exemple, le riz, le quinoa, la semoule. Le boulgour, les plis, les lentilles vertes, du buis, du berry, les lentilles jaunes, les lentilles noires, les haricots rouges, les haricots noirs, les haricots jaunes, la polenta, le pois chiche, le pois cassé, et je crois que c'est tout. Respectez les temps de cuisson. Merde. J'ai encore un coup de gueule, moi, contre Kevin, qui m'a emprunté mon casque audio il y a 1 an, qui me l'a toujours pas rendu, alors que moi j'aimerais bien l'utiliser, mon casque audio. Fils de pute. Ah, mais attends, mais ton casque, c'est moi qui l'ai ton casque. Pardon, Kevin. Ah si, moi j'ai encore un truc qui m'énerve. C'est quoi? Les gens qui font des bruits de bouche. Genre on a ça quand ils mangent. Quand ils mangent un chewing-gum. Irk. Fermez la bouche. Ça me dégoûte. Moi aussi. Oh. Plus vite. Plus vite. On dirait ma mamie. Tu vas vomir, je crois. Sont lourdes. Et voilà, c'est tout pour nous. On le rappelle, le coup d'ASMR, c'est d'abord une vidéo d'ASMR, mais surtout un coup de cœur. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager ou